Bonjour tout le monde, son plaisir pour moi, Madeleine Petit, qu'on est capable d'arriver informé à travers l'émission pour l'an, émission Tribune Sport, émission qui peut pour toute dernière actualité sportive au sous plan local et international. N'a pas beaucoup de pause à tourner. Nous retournons après pause là. Merci avec vous-même qui rete accroché avec moi-même, Madeleine Petit, qu'on est émission Tribune Sport. Merci parce que vous continuez à inviter vos amis, vos familles viennent découvrir travers ça. Ou même qui nouveau sur channel là, nous invitons à abonner, à activer cloche notification pour pas rater aucune dernière émission nous. Retour Ligue 1 t'apprend permettre nous vivre 16e journée dans pays la France. Un retour qui permet que nous gagne Ajaccio gagne 1-0 équipe Angers. Et gagné toujours en 16e journée ça Troyes qui fait un match nul 0 goal na chacun avec équipe Nantes gagné Auxerre qui lui-même tombé 3-2 devant équipe Monaco gagné Clermont qui tombé la Cali devant équipe Lille et puis Paris Saint-Germain gagné 2-1 équipe Strasbourg Mbappé pour tout lui et monsieur lui-même profiter marquer yon un goal pour aider équipe Paris Saint-Germain gagné Strasbourg gagné Stade Bretois qui lui-même tombé la Cali 4-2 devant équipe Olympique Lyonnais. Donc ça qui est que 16e journée te paraît vraiment intéressant. Il y a un coup de rapide vite dans le classement Ligue 1. D'abord, il y a Paris Saint-Germain qui est en tête avec 44 points. Deuxième, c'est Lens 36 points. Et puis, il y a un troisième dans le Stade Rennais qui a gagné 31 points. Quatrième, Olympique de Marseille 30 points. Cinquième, Monaco 40 points. T'es gagné tout et on dit meilleur buteur Ligue 1 c'est Kylian Mbappé 13 réalisations. Deuxième Neymar Junior qui gagne 11 réalisations qui prend carton aujourd'hui dans le match Paris Saint-Germain face à Strasbourg et puis gagne Mofi Joël Lorient qui lui-même gagne 10 réalisations. Jeudi on t'a gagné un match vraiment des 17e journée pour clôturer l'équipe Manchester City a gagné vraiment une équipe de Leeds United de 3 goals à 1 avec un bon Erling Haaland qui lui-même marqué un doublé profiter marqué 20e goal dans toute en 20e goal pour saison 2022-2023. Nous allons partager ensemble avec vous une liste de joueurs pendant vraiment intégration dans le club bio qui connaît vraiment une série de matchs qui au pas jamais connaît des fêtes mais on connaît match nul c'est-à-dire des fêtes c'est connaît que il y aurait du 1-0 2-0 mais si vous comprenez gagner vraiment Konaté avec Liverpool c'est 40 matchs que le pas jamais connaît des fêtes avec Liverpool 27 matchs pour Sergio Ramos avec Paris Saint-Germain que le pas jamais connaît des fêtes Kylian Mbappé c'est quand même avec Paris Saint-Germain 22 matchs que le pas jamais connaît des fêtes Achraf Hakimi marocain lui-même lui est vraiment gagné 20 matchs avec Paris Saint-Germain que le pas jamais connaît des fêtes Jacques Grealish qui lui-même avec Manchester City connaît 19 matchs sans connaît des fêtes gagné Gandhi Lens joueur qui Lens gagné 18 matchs sans pas connaît des fêtes gagné Frankowski qui lui-même 3 évolue sous couleur équipe Lens qui gagné 18 matchs que le pas connaît des fêtes Riyad Mahrez avec Manchester City qui connaît 18 matchs sans connaît des fêtes avec équipe City Guillaume Stanko Kulivski monsieur qui est le meilleur joueur sur droit sur année 2022 je constate intéressant avec l'équipe Tottenham Hotspur dans toute compétition confondue. Les joueurs 51 matchs, les marqués 9 goals, livré 18 passes décisives. Kylian Mbappé, monsieur Ali même niveau fit et marqué 254e goal dans 16e journée Ligue 1. Ça qui est que les marqués 191 goals avec Paris Saint-Germain, avec sélection française, les marqués 28 et Monaco, les marqués 27. Il y a une possibilité pour continuer à marquer avec Paris Saint-Germain puisque il y a le club blanc jusqu'en 2025. Pour l'année 2022, Kylian Mbappé arrive à marquer 56 goals, 17 passes décisives et vraiment en 56 matchs que Michel Albem li rivi marqué autant de goals et livré autant de passes décisives. Kylian Mbappé Michel Albem même devenu premier joueur français qui inscrit vraiment 32 goals en Ligue 1 pendant une année civile. C'est juste son temps qui a fait ça en 1958 quand il a marqué seulement 35 goals. Kylian Mbappé marqué 3 goals pour être capable d'égaler le record
et même dépassé, il n'a pas les biens de l'année civile, c'est-à-dire année 2022. Hélène Boiland, monsieur allé venir premier joueur de l'histoire qui atteint 20 goals en Ligue des Champions et 20 goals en Première Ligue. Il était fait avec Borussia Dortmund côté il joue 14 matchs pour 20 goals dans la Ligue des Champions et dans la Première Ligue. Là, monsieur allé même lui marqué 20 goals pour 14 matchs qu'il joue dans la Première Ligue. Gagné vraiment une équipe tant que Chelsea qui vraiment intéressé avec signature Jude Bellingham, gagné un shoot à comme Depay, Declan Rice, gagné tout. Yo monsieur Takou, Joao Félix que Chelsea lui-même li vraiment intéressé avec. Hélène Boiland sous saison 2022 en 10 années 2022, monsieur lui-même li rivi marqué 45 goals en 41 matchs. Monsieur k'ap joué sous yon belle planète. C'est désormais officiel, Marco Verratti prolongé avec équipe Paris Saint-Germain. Monsieur Pral vraiment retient de Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Monsieur a été gagné un pile doute sur lui, est-ce que l'a prolongé ou bien l'a prêté? Eh bien, monsieur a lui-même lié avec le blanc jusqu'en 2026. Gain Isco à la compte, monsieur a lui-même nous connaît Séville, qui résidé contre monsieur. Eh bien, monsieur a lui-même lui tombé dans la 4e division Liga Espagnole. Monsieur a lui-même pral évolué en équipe OD Melina dans la 4e division pays l'Espagne. Pemisa la Guadjola, monsieur a lui-même lui parlé de l'équipe Arsenal. Ça, monsieur a dit. Dizi, si Arsenal continue de creuser l'écart au classement, il sera vraiment difficile de les rattraper. C'est-à-dire, si l'équipe Arsenal continue à accumuler points, il sera vraiment difficile pour l'équipe qui est deuxième nan, et voir l'équipe qui est troisième nan, arriver à attraper l'équipe Arsenal, arriver à jouer l'équipe Arsenal. Il y a un Cody Gakpo qui lui-même signé avec l'équipe Liverpool jusqu'en 2028. Qui ça, monsieur a lui-même lui dit après signer tout ça. Monsieur a dit, je suis vraiment excité d'être à Liverpool. J'ai hâte de commencer à jouer pour ce club incroyable. J'ai réalisé que je viens de rejoindre un très grand club. Je vais essayer de montrer ce que je peux faire et essayer d'être aidé l'équipe réussir tous ses objectifs. C'est aussi bien de se développer ici, ces déclarations, M. Takou, Cody Gakpo après signature en équipe Liverpool. C'est officiel, gagné Reed James, M. Albem, qui blessé, et bral à haut terrain pendant un mois. Reed James, Real Madrid, vraiment intéressé avec lui, capable de venir parler avec un problème à relatéral droit que Real Madrid lui-même a connu. Et bien, M. Albem, les blessés, gain David De Gea qui est vraiment là en discussion avec direction équipe Manchester United là pour une prolongation. Est-ce que monsieur va être capable de prolonger en deux équipes là pour connaître. Gain Chelsea qui est vraiment bail avec équipe Benfica, une offre de 120 millions euros plus 10 millions bonus pour capable vraiment faire signer yo Mustafa Enzo Fernandez. Retour Liga Santander après que nous fin amuser nous dans Coupe du monde nous déjà ouais Ligue 1 cap joué première ligue là qui même te ouvre porte li et bien c'est tout pas Liga Santander là c'est-à-dire championnat d'Espagne. Nous va gagner pour nous tomber dans 15e jour d'hier côté nous va gagner pour nous joindre Girona capitaine Nakali équipe Rayo Vallecano c'est pour 11h. Real gagner Real Betis lui-même capitaine à 1h15 équipe Athletic Bilbao pour gagner Atlético de Madrid à 3h30 qui va gagner pour jouer face équipe Elche c'est ça qui va gagner vraiment nan Liga Santander juste avant même nous capable aller ouais ça va gagner nan Ligue 1 laissez nous faire un coup de rapide vite nan classement comment classement lui-même lié gagne Barcelone qui gagne tête de série avec 37 points deuxième c'est Real Madrid 35 points troisième Real Sociedad 26 points quatrième Athletic Bilbao 24 points cinquième c'est Atlético de Madrid qui gagne 24 points classement mais but lancé Robert Lewandowski qui gagne 12 réalisations, vous gagnez Yoshitaku Muriki qui gagne 8 et puis Guillaume Yoshitaki Clisias qui a évolué en équipe Real Betis qui gagne 8 réalisations. Et puis de même jeudi après le gagne vraiment 16e jour d'hier qui a continué dans la Ligue 1 pour le gagne Lorient qui a joué à 11h contre l'équipe Montpellier. Pral gen Stade Rennais qui a joué contre l'équipe Stade Rennais, c'est pral pour
Seigneur. Et puis, il y a Nins qui a joué à 3h contre l'équipe Lens Olympique de Marseille. Pral joué à 3h contre l'équipe Toulouse. Là, voilà ça qui pral gagne aujourd'hui dans deux championnats, à savoir la Ligue 1 et la Liga Santander. Avant de mettre fin dans l'émission Tribune Sport, nous trouvons prêts à l'émission pour saluer la famille Walviticola. Gagné Stenio Pierilus, qui lui-même est connecté, qui dit good job, mon frère, les connecté depuis Saint-Domingue. Gagné Ouema Destiné, qui dit bon Dieu béni nous, et nous recevons lui. Gagné Ronald Joseph, un bon artiste, qui est vraiment a évolué dans le mode musical là, qui avec nous qui dit nous bon bagaille. Il y a Valdins Emi qui lui-même ensemble avec nous là, même qui t'a remis une salutation pour là dans rubrique salutation de l'émission Tribune Sport, qui dit commentaire pour là, dit qui qu'on doit connecter, puis la prochaine sortie n'a bien pour nous saluer. Merci parce que vous like, commenter, partager. Merci à vous même qui prend tout profiter, abonner, activer cloche notification.